J'ai beaucoup de plaisir. Je suis très impressionné par l'exposition de manière générale. Et le pavillon suisse montre ce mélange de modernité et de tradition. J'ai visité aussi le pavillon des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite, qui sont aussi extrêmement impressionnants. Et je crois que ça permet de montrer les nouvelles technologies, de montrer le futur et de rapprocher les personnes des différents pays qui vont visiter l'exposition. C'est, d'après moi, une belle exposition. Alors tout d'abord, excellent anniversaire pour les Émirats Arabes Unis. Les relations avec la Suisse sont excellentes, empreintes de confiance. Nous avons de très nombreux contacts économiques. C'est le premier partenaire économique de la Suisse dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Nous avons l'intention d'intensifier ces relations sur le plan économique, mais aussi sur le plan scientifique, éducation, nouvelles technologies, et c'est ce pourquoi je vais avoir des entretiens encore tout à l'heure avec le ministre de l'économie. Oui, certainement, je crois que ça permet de mieux se comprendre. J'ai eu aussi déjà la visite du ministre de l'Éducation en Suisse. Ma venue ici pour la journée suisse participe de cette volonté d'approfondir les relations entre nos deux pays.